Hasard du calendrier, on avait quitté le Loup sur un derby, brillamment remporté face à Bourgoin. Deux semaines plus tard, on le retrouve pour un autre. Dimanche à 15h, le leader lyonnais se déplace sur la pelouse de Bourg-en-Bresse, lanterne rouge de Pro D2. On les avait joué chez eux en amical et le classement ne reflète pas sa qualité parce qu'ils jouent bien au ballon, ils conservent bien la balle. Ils ont perdu 2-3 fois d'un ou deux points, ils ont fait un match chez eux, donc c'est une équipe qui est très très accrocheuse. Cela n'aura échappé à personne. Depuis le début de la semaine, le froid et la neige ont fait leur apparition, ce qui contraint les Lyonnais à s'entraîner sur un terrain de football en synthétique à côté du Matmut Stadium. Une météo capricieuse qui pourrait bien s'inviter dans l'Ain dans deux jours. Ça perturbe un petit peu, mais bon, ça fait partie des péripéties de l'hiver, on va dire. On ne sait pas trop ce qu'ils annoncent, mais il faut qu'on reste appliqué comme on l'a fait en début de saison. On a eu des matchs avec des conditions climatiques difficiles, on a réussi à produire du jeu, donc il faut qu'on garde ça en mémoire et s'appuie là-dessus. Concernant la composition d'équipe, d'un derby à l'autre, le staff a procédé à 6 changements. Un doute plane toujours sur la présence ou non du capitaine Lionel Nallet. Victime de douleur au dos, le Bressan d'origine doit prendre une décision demain matin.